le choix de jouer sans pivot. Aïe. Ouais, mauvaise transmission de Brice qui a tenté une passe aveugle. But en contre-attaque du pivot dijonnais, Bastien Kermouch. Et Dijon qui refait un petit écart également, qui réduit l'écart pardon, avec deux réalisations coup sur coup, 9-5. Ce qui fait poser sur le même poste Sacha Bouchilou. Oh là, c'est mauvaise défense de la part de Besançon. Bastien Kermouch avait glissé, bien glissé dans leur dos. Belle finition, du plus mauvais en termes de stock, de scoring. Alors, Smosiewicz qui la touche, encore un beau but de Bastien Kermouch. On est très content pour Christopher Corneille. On sent même que le banc est très content aussi pour lui. Jamais facile ces joueurs qui. Oh, magnifique passe. Magnifique passe de Steven Bois pour Bastien Kermouch. Qui fait mouche. Permettez-moi le jeu de mots. 32-31 pour Dijon qui reprend l'avantage. On va vibrer jusqu'au bout. Dans...